Des femmes heureuses, des enfants comblés. Voilà l'ambiance qui a prévalu ce vendredi au quartier Béaté de Yopougon camp militaire. L'ONG, la chaîne des Colombes, est passée par là. Spécialisée dans l'assistance des plus démunis, elle vient d'offrir des kits scolaires, des vivres et non-vivres aux habitants de ce quartier. Je suis contente d'avoir tous ces cadeaux. Et je dis merci à la représentante de la première dame, à la chaîne des Colombes, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Merci à la chaîne des Colombes. Ce qu'il a donné nous là, je suis d'accord. Je veux que tous les jours, il n'a qu'à faire bonne santé, ou donne-nous manger comme ça. Pour Assoua Honorine, présidente nationale de l'ONG Chaîne des Colombes, ce geste n'est que le début d'une longue série d'appuis aux populations vulnérables. Nous sommes vraiment très heureuses de sentir que la femme est contente quand nous lui faisons des petits cadeaux. Et notre objectif encore est de pouvoir rassembler toutes les femmes autour de ce que la première dame veut réaliser en Côte d'Ivoire. Et surtout quand elle a mis à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire un fonds, il faut bien qu'on puisse organiser nos sœurs pour qu'elles sachent qu'en étant organisées, elles profiteront de ces fonds. Avec nos modestes moyens, nous faisons ce que nous pouvons pour les aider. La chaîne des Colombes est un mouvement de soutien aux actions de la première dame, Dominique Ouattara. Depuis 2003, l'organisation tente de redonner espoir à toutes ces femmes et tous ces enfants qui vivent des situations de précarité avancée.